Le département de l'Isère dispose de 1300 places d'hébergement d'urgence toute l'année. La période hivernale accroît les besoins. La préfecture a pour objectif le zéro personne dans la rue. Et depuis le début de l'été, les services de l'État ont fait en sorte de rendre disponibles 417 places d'hébergement sur Voreppe et différentes communes de la métropole. En cas de grand froid, il est prévu d'ouvrir certains gymnases et salles de fête pour mettre à l'abri 110 personnes, notamment des familles. Cet hiver, la veille sociale sera renforcée avec la création d'une maraude professionnelle, dont la mission principale sera de créer du lien. En 2018, en Isère, l'État a consacré 28 millions d'euros pour l'hébergement des sans-abri, dont 8,5 millions pour la veille sociale et l'hébergement d'urgence. Le froid est annoncé pour ce week-end. Si vous vous trouvez en présence d'une personne démunie, appelez le 115.